Ce jour est dédié pour le mariage et l'aliyah de Tzipora Simra Batsara Be'ezrat Hashem, les deux très rapidement. Amen va amen. Le mois de la naissance a-t-il un impact sur notre caractère? Peut-on y échapper? Réponse oui. Il est clair que le mois de notre naissance correspond donc à 12 signes du zodiaque. Et ce n'est pas le mois, c'est le signe du zodiaque qui correspond à notre date de naissance, qui fait qu'on a un certain type de caractère. Il y a des gens qui s'y connaissent bien. On sait que les béliers, c'est des bagarreurs. On sait que les taureaux, ils ont tout droit, d'accord, tout droit au but, toutes sortes de signes. Peut-on y échapper? Ben, relativement pas, mais il ne faut pas croire qu'il faut y échapper. Ça fait partie de notre personnalité, ce que Hachem nous a donné comme outil pour le servir. C'est vrai que des fois, ça peut nous amener à faire des choses qui sont pas justes, comme par exemple un bélier qui se bagarre pour un oui, pour un non. Alors, c'est ce que Dieu nous a donné aussi, ce trait de caractère mauvais. Mais quand quelqu'un reçoit un mauvais trait de caractère, il reçoit aussi en contrepartie les bons traits de caractère qui lui permettent de corriger les mauvais traits de caractère.